Bonjour, dans l'été une fois un livre, sélection d'été, aujourd'hui je vous présente un livre de Jackie Durand, Marguerite. Jackie Durand, je vous en ai déjà parlé l'an dernier avec un livre qui s'appelait Les recettes de la vie. Il est chroniqueur culinaire sur France Culture et dans Libération. Il écrit des petites chroniques comme ça. Et là, il nous emmène dans une histoire qui n'a rien à voir avec la cuisine, exceptionnellement. Marguerite, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, se retrouve seule parce qu'elle s'est mariée et un mois après, donc, son mari a été mobilisé pour partir faire la guerre. Elle se retrouve seule, elle va apprendre combien la vie est dure pour les femmes en temps de guerre, elle va devoir trouver un travail pour subvenir à ses besoins, elle va, elle, toute seule, entretenir la petite maison, le potager, etc. Et puis elle va vivre sa petite vie tranquillement, en s'inquiétant évidemment de son mari. Et un jour, elle va rencontrer un jeune enfant, un jeune gitan qui passe par là et elle va se lier d'amitié avec. Et le petit gitan va lui présenter un jour un soldat allemand. Un soldat allemand qui, au début, elle va le détester. Et puis finalement, elle essaye de voir l'humain derrière le soldat. Donc c'est une histoire vraiment prenante sur la condition des femmes pendant la guerre, qui n'était pas simple, et aussi sur la vision qu'on a des soldats allemands, hein, parce que ce n'étaient pas forcément tous des nazis, ils étaient un peu obligés d'être là. Et puis c'est vraiment une réflexion intelligente sur la perception qu'avaient les Français de l'occupant. Donc je vous le conseille, c'est un livre très bien écrit, qui se lit très vite, ça s'appelle Marguerite de Jackie Durand.